Et coucou, comment allez-vous? Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui, confortablement installée dans mon fauteuil de lecture, portant ma douillette salopette extra large pour entamer un nouveau vlog. Aujourd'hui, messieurs, dames, on s'attaque à un gros morceau. C'est une idée de vidéo que j'avais dans l'esprit depuis un moment, toujours dans la même continuité de mon état d'esprit de lecture dont on a un petit peu parlé au fil des vidéos précédentes. Mais là, je repoussais, je mettais vraiment toute la poussière sous le tapis en me disant ça va finir par se résorber, ça va rentrer dans le moule tout seul. Pas du tout. L'heure est grave, je n'en peux plus, je suis en surchauffe au niveau de ma pile à lire, mon meuble bibliothèque déborde, je ne sais plus quoi faire. J'ai déjà fait du tri à l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est le mercredi 14 février, il est midi, donc on est en plein dans le challenge février tapal, challenge que j'ai moi-même créé pour réduire ma pile à lire. J'ai commencé avec 117 livres au compteur, j'en suis à 127. Ça ne va plus du tout. Donc ce que je vous propose, c'est d'organiser les Hunger Games de ma pile à lire. Franchement, je pèse mes mots. L'objectif de ce vlog que je vais, je pense, étaler sur une semaine à 10 jours maximum, ça va être de décaniller le plus de titres possible dans ma pile à lire, que ce soit en refaisant un énième tri, même si là j'ai l'impression qu'on est un petit peu arrivé au bout du chemin parce que j'ai déjà plein de colis Vinted et Gibert à faire. Ça me paraît compliqué de me séparer de plus que ce que je n'ai déjà laissé partir, mais sait-on jamais, sur un malentendu, il y a peut-être encore quelques titres qui sont passés entre les mailles du filet. Et surtout, ce que je me propose de faire, c'est à la fois de me tenir à mon rythme de un livre par jour. Alors ça peut être manga, ça peut être graphique, et c'est très court, peu importe le format, du moment qu'il y ait un livre qui sorte de ma pile à lire tous les jours. Et à cela va s'ajouter un procédé que j'ai bien envie de tenter, qui est de prendre des livres au hasard dans ma bibliothèque à lire, de parcourir très attentivement les premières pages, les deux, trois premiers chapitres, et de voir si oui ou non ça colle. Si ça match, je conserve, si ça ne match pas, ça dégage. Ah oui non, ça ne rigole pas, je ne suis pas venue là pour enfiler des perles, faut que ça bouge. Faut que les choses évoluent, d'autant qu'en ce moment je suis dans une dynamique. Je ne vois pas passer les semaines, les mois, ça défile à toute allure. Je n'ai pas assez d'heures dans une journée pour faire tout ce que j'aimerais mettre en place, accomplir, réaliser, cocher. J'ai des to-do list qui n'en finissent pas, j'ai des activités qui s'empilent les unes sur les autres. Je suis sur tous les fronts. Pour vous donner une idée, je vais vous dresser un rapide portrait de ma vie actuelle, à savoir que je suis sur trois activités professionnelles différentes, l'édition en freelance, la création de contenu en freelance et la gestion d'un Airbnb en freelance toujours. Donc déjà vous devinez que mes semaines sont bien chargées, mais vous pouvez également y adjoindre la création de mon Patreon qui me prend beaucoup de temps. Il y a aussi la bêta lecture du manuscrit du Cozy Mystery qui est en cours de rédaction par Laurie, donc The Pumpkin Library sur Instagram. La reprise du sport parce que oui, j'ai décidé de me mettre à courir avec mon mari, donc ça fait 15 jours qu'on s'y tient et en plus de ça, j'ai remis du renforcement musculaire dans ma vie. Non pas par souci esthétique, mais là c'est plus niveau santé et surtout psychologique. J'ai besoin d'une soupape de décompression. Je commençais à accumuler beaucoup de colère et d'aigreur et de frustration dont je ne parvenais pas exactement à identifier la source. Donc je me suis dit qu'un défouloir, un exutoire qui en plus me procurerait une bonne grosse dose d'endorphine, c'était un petit peu le remède dont j'avais besoin, et il s'avère que c'est très très vrai parce que ça ne fait que 15 jours mais je sens déjà les effets. C'est fulgurant mais ça prend du temps. Forcément. Et comme si tout ça ne suffisait pas, j'ai trois autres projet sur le feu. Un perso qui est déjà bien avancé et hyper chronophage, mais ça se précise sans pour autant qu'on puisse dire qu'on ait atteint la dernière ligne droite parce que ça va être la masse de travail la plus conséquente à fournir. Mais malgré tout, quand ce sera débloqué, ça va être trop cool et vous verrez très rapidement de quoi il en retourne, on en reparlera très prochainement. J'ai aussi dans les tuyaux un projet perso que je documenterai intégralement sur Patreon qui m'enthousiasme autant qu'il me terrifie. Et pour finir, j'ai un projet pro que j'aimerais mettre en place et investir d'ici la fin de l'année, mais qui demande aussi beaucoup de réflexion, de préparation, bref. Il me faudrait à peu près 24 heures ouvrées par jour, sans enfant, pour arriver à venir à bout de tout ce que j'ai en tête. Oui, parce qu'en plus, je suis maman et j'ai envie de m'investir à fond pour profiter de ma fille, tout en ne négligeant pas mon mari et le reste, les tâches de la vie quotidienne, quoi. Bref, j'espère que je vous ai pas créé une crise d'angoisse rien qu'en évoquant un petit peu tous ces projets et tout ce que j'ai sur le feu en ce moment. Et d'ailleurs, en parlant de ce que j'ai sur le feu, ça va être l'heure de déjeuner, de prendre des forces avant de se lancer dans les Hunger Games de ma pile à lire et de m'atteler à toutes les autres tâches annexes. Et pour ce faire, le sponsor de la vidéo du jour est tout indiqué.
Et ce fameux partenaire, c'est une belle histoire d'amour entre lui et moi puisqu'il s'agit de HelloFresh. HelloFresh est un service qui nous a sauvé la vie au moment de la naissance de notre fille parce qu'on était débordés, épuisés, qu'on n'avait pas le temps, ni l'envie, ni forcément les moyens d'aller faire les courses assez régulièrement, ni de se prendre la tête sur les menus, les recettes, la cuisine. Et en cherchant des solutions qui pourraient nous correspondre, on est tombé sur ce système d'abonnement hebdomadaire qui fonctionne sous système de box. Vous choisissez le nombre de repas, le nombre de personnes et vous allez ensuite pouvoir élaborer vos différents menus avec les nombreuses recettes de saison hyper gourmandes qui sont proposées sur le site. Et grâce aux options, que ce soit végétarienne, basse en calories, vous pouvez vraiment adapter vos repas en fonction de vos envies, de vos objectifs, de votre budget. C'est hyper facile à prendre en main et tellement adaptable. Vous choisissez le jour et l'horaire de votre livraison. Si une semaine vous êtes en congé, vous mettez tout simplement votre abonnement sur pause et ça repartira la semaine suivante. C'est vraiment hyper hyper pratique. Et en plus, ce sont des recettes qui sont variées, qui sont gourmandes, mais qui permettent de manger sainement. Ça nous permet à la fois de gérer notre budget, notre alimentation, de ne pas avoir à aller faire les courses. Ça évite aussi tout gaspillage parce que vous avez les quantités exactes dont vous aurez besoin dans les recettes qui sont expliquées dans des fiches hyper simples, qui vous précisent aussi au passage le temps qu'il va vous falloir pour préparer le repas. Ce qui est très pratique pour décider ce que vous allez cuisiner à quel moment. Là, typiquement, tel que vous me voyez, je meurs de faim, j'ai l'estomac dans les sabots et je n'ai malheureusement pas non plus beaucoup de temps à consacrer à la cuisine puisque je dois me remettre à bosser au plus vite. Donc je vais partir sur une recette gourmande et rapide à préparer, à savoir des petites spaghettis au pesto de champignons. Alors si vous aussi, vous voulez vous simplifier la vie et réduire drastiquement votre charge mentale pour consacrer votre énergie et votre temps dans d'autres domaines que les courses sans pour autant sacrifier la qualité de vos repas, n'hésitez pas à tenter l'aventure HelloFresh. Et pour ce faire, n'hésitez pas à utiliser le code promo PRADA2024 ou à cliquer sur le lien qui se trouve directement en barre d'infos. Ça vous permettra de commander votre box à moins de 3€ par repas. Vous m'en direz des nouvelles. Maintenant que je me suis substantée et que mon estomac est repu, satisfait et contenté, je pense que je vais profiter du beau temps et aller marcher dans Toulon pour me poser dans un salon de thé que j'aime tout spécialement qui s'appelle Déguster. Je vais emmener mon ordi histoire de pouvoir avancer sur le montage de la vidéo de samedi, mais aussi embarquer un bouquin histoire d'avancer dans ce projet de réduction de la pile à lire. Ce matin, j'ai lu le dernier tome publié en français de La Petite Faiseuse de Livres, donc je sais plus si c'est le tome 7 ou le tome 6 du deuxième arc. C'est toujours fort sympathique, mais là je me dis que justement profitons de cet allant, de cet entrain pour avancer dans un roman, parce qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué. J'ai commencé le tome 1 de Axa Even qui est publié chez Casterman. C'est une couverture toute bleue sur laquelle on voit assez peu le motif, et j'avais commencé ce roman il y a fort longtemps en écoutant les premiers chapitres en anglais sur l'appli Nextory et ça me plaisait bien, mais la vie a fait que je me suis dirigée vers autre chose. Mais ce texte s'est rappelé à mon bon souvenir il y a quelques jours, donc je lui ai redonne sa chance. Ça part toujours aussi bien. En gros, l'histoire se situe à New York au début du 20e siècle. On va suivre une jeune fille dont le frère adoré est mort noyé dans une rivière, et elle vivote bon gré mal gré en tant que couturière dans un atelier où il ne fait pas très bon vivre, on va pas se mentir. Et suite à une soirée pour le moins traumatisante, elle va commencer à avoir des déboires avec la justice, et quand elle est au bord de l'arrestation, elle va être sauvée in extremis par de drôles d'infirmières qui prétendent qu'elle se atteinte de la tuberculose et que pour protéger le reste de la population, elle doit les suivre pour être internée dans un sanatorium un peu bizarre. Alors je vous l'accorde, présenté comme ça, le résumé semble un peu boiteux, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a une grosse dimension fantastique qui va se déclencher. Je sais que ça parle d'école de magie, de sorcellerie, de formation, de quête initiatique, mais comme j'y suis pas encore, c'est difficile d'intégrer ces éléments-là à mon résumé. Mais en tout cas, ça part plutôt bien, et ce livre ne souffre pas trop de cette espèce de crise existentielle de la lecture qui me frappe depuis quelques mois maintenant, parce que depuis que j'ai découvert Robin Hobb et que vraiment je me suis plongée de façon presque obsessionnelle dans son univers, c'est-à-dire que j'ai quand même fini les 13 tomes de l'Assassin Royal, j'ai lu les 9 tomes des Aventuriers de la Mer et je suis en train de lire le premier tome des Cités des Anciens. Donc ça fait plus de 22 tomes dévorés en officiellement un an et demi, mais en réalité les premiers ont été quand même longuement espacés. Il y a eu une grosse pause ensuite avant que je me décide à lire les Aventuriers de la Mer, donc c'est ce qui explique la temporalité finalement assez étendue. Sauf qu'en réalité ça occupe quasiment tout mon esprit et tout mon espace mental et tous mes instants disponibles en tant que lectrice de façon majoritaire depuis un moment. Et ça a l'inconvénient de ses points forts, c'est-à-dire que tout me paraît fade et mal fichu et bancal en comparaison du travail de Robin Hobb. Tout me paraît brouillon, mal écrit,
pas abouti, peu approfondi, artificiel, banal, superficiel. C'est franchement une tannée de tomber sur des textes qui, sans parler de tenir la comparaison, parce que c'est pas non plus l'objectif ou l'état d'esprit dans lequel je me trouve, mais je n'arrive pas à me détacher de ce sentiment, de ce niveau d'excellence qui a été enclenché, induit par cette saga. C'est très compliqué, mais heureusement, Axa Heaven se débrouille pas trop mal, donc c'est plutôt bon signe. Et parce que quand même j'aimerais me remettre à travailler dans pas trop longtemps, j'en profite pour ouvrir avec vous un immense colis qui vient de m'être livré par mon facteur, et je sais pas du tout ce que c'est. Il y a marqué Union Distribution dessus, mais je ne sais pas ce que c'est, j'attends rien de si envahissant. Donc on va découvrir ensemble le contenu de ce carton. Avec toujours cette sensation incroyablement satisfaisante d'arriver à arracher la languette d'un seul trait. Mais qu'est-ce donc ? Urgent ? Oh la vache ! Il y a du carton dans le carton ! ça n'en finit jamais ! Qu'est-ce que c'est ? Pardon, mais je suis très très contente. Alors, je suis extatique, mais ça ne va pas du tout arranger nos affaires de pile à lire. Oh purée, je suis trop contente. J'ai reçu 3 titres de la part de l'école des loisirs rue de Sèvres, que j'avais demandé il y a un petit moment, et entre temps j'avais reçu leur box découverte en roman. Et je pensais que mes demandes étaient un peu perdues dans les limbes de l'administratif et des papiers, mais non. Ils sont là. Donc on commence avec un essai carnet de bord qui s'appelle L'artisanat du roman. C'est écrit par Thomas Lavachéry et c'est une initiation à l'écriture créative. Bon, ça spoil un petit peu le fameux projet que je vais documenter sur Patreon, mais bon, au moins vous avez un petit indice. C'est également dans le colis Petit Bonheur de Yue Zhang, un album jeunesse qui semble adorable à souhait. Je crois qu'on est sur une famille de renards qui tient un restaurant de ramen. Rien que ça, ça me vend du rêve. Trop hâte de lire avec Mia celui-ci. Et dernière réception et non des moindres, et je pense que c'est celle qui me fait le plus frétiller à l'instant T, il s'agit de Frontières, qui est une BD de science-fiction positive qu'on m'a vendue comme étant un petit peu dans la veine de Becky Chambers. Et en plus, dedans, je sais qu'il y a un personnage qui s'appelle Mia et un autre qui s'appelle Alexandra. C'est l'un d'entre vous, Max, si jamais tu passes par ici, qui m'en a parlé sur Instagram et qui a su titiller ma curiosité en utilisant les bons arguments au bon moment. Pareil, très impatiente de vous en donner des nouvelles, et je pense qu'il va être lu, oh là là, très rapidement celui-ci. C'est trop beau, et en le feuilletant, je suis en train de me dire qu'au niveau du trait, ça me fait penser à un mélange entre le manga Made in Abyss et le travail de Boulet. Si jamais vous connaissez l'un et l'autre, ça peut vous donner une petite idée de l'ambiance. Oh, j'adore! Oh là là, je suis hyper sensible. Puis alors, ça fourmille, ça pullule de détails. Oh, fou, les arrière-plans sont dingos. Ça va être trop bien. Bon, sur ces bonnes notes, je saute dans mes chaussures, j'attrape mes affaires et on va bosser chez Dégusté. Let's go! Bateau.
Hey, je vous récupère enfin face caméra. On est le mercredi 21 février et comme dans 70% de mes vlogs, il y a eu une faille spatio-temporelle qui s'explique par la vie, par les impondérables et j'avais pas spécialement prévu de revenir aujourd'hui parce que ça fait plusieurs jours que je subis les assauts de Jean-Eudes, le bouton de fièvre, qui a rameuté ses potes de quartier, Jean-Bernard et Jean-Marie. Donc j'ai acheté ce matin des compides pour essayer de masquer un peu tout ça. Je porte à peu près 1,5 kg de fond de teint sur le visage, mais je supportais pas l'idée de vous présenter tout ce pu à l'écran, c'était pas possible. Et en plus, pour ne rien arranger, j'ai les yeux un peu rougis, un peu bouffis, parce que je venais de finir de déjeuner, j'avais préparé une soupe de lentilles égyptienne trop bonne, avec des toasts croustillants sur lesquels je suis venue étaler une crème au fromage avec du persil, du miel, c'était délicieux. Et en fait, j'ai eu la mauvaise idée de terminer d'écouter un podcast qui ne devrait pas être écouté pendant qu'on mange, pendant qu'on fait quelque chose, simplement être assise à côté d'une boîte de mouchoirs et se laisser emporter. Et même si c'est une thématique terrible, j'ai envie de partager ce podcast avec vous. Donc si jamais la maladie, la mort, le cancer, ce sont des sujets très douloureux pour vous, n'hésitez pas à passer ce moment, vous avez tous les timers dans la description. On se retrouve plus tard, il n'y a pas de souci, je comprends, prenez soin de vous, c'est l'essentiel. Mais si vous êtes prêt et assez solide et partant, partante pour être heurté, je vous invite du fond du cœur à découvrir le podcast qui s'appelle Ma vie face au cancer, c'est dispo sur toutes les plateformes d'écoute. Et à la base, c'était un programme France Info parce que c'est le témoignage de Clémentine Vergniaud, qui est une jeune journaliste qui avait 30 ans quand on lui a diagnostiqué un cancer assez sévère et qui, après un an et demi de lutte, est décédée fin 2023. Et elle a tenu à témoigner, à partager avec qui voudrait bien l'écouter son parcours, sa découverte de la maladie, les différents traitements, les moments d'abattement, mais aussi de joie, ce qui l'a aidé à tenir, les pensées qui l'ont traversée à toutes les différentes étapes. Et j'ai trouvé cette conversation à cœur ouvert si courageuse, si honnête, si franche, si lumineuse, éclairante, déchirante et si universelle que j'avais envie de prendre la main de Clémentine au fil de l'écoute. Et il y a des moments où j'ai pas pu m'empêcher de pleurer quand elle parle de ce qu'elle ressent, de ses peurs, de ses colères, mais aussi de ses proches. Comment est-ce que ses parents gèrent la maladie de leur enfant, de leur fille qui a 30 ans? Comment son compagnon est devenu aidant? Quels ont été les différents personnels de santé qui l'ont accompagné? Ceux qui s'y sont pris comme des manches et ceux qui ont été d'une délicatesse et d'une aide incommensurable, inestimable. Bref, c'est de l'intime d'utilité publique, que vous soyez malade, que vous ayez des malades dans votre entourage, ou que tout simplement la question de la fin de vie, de la mort, de tout ça peut vous intéresser, et je pense que ça le doit, parce qu'on est toutes et tous concernés. Et je sais que c'est sordide et que ça reste très tabou, la mort, on veut pas en parler parce qu'on a peur que ça nous porte la poisse, c'est quelque chose de tellement insondable, c'est le dernier voyage, le truc le plus inconnu et le plus inconcevable auquel on est confronté en tant qu'être humain. Et moi, grande anxieuse qui ai fait des crises d'angoisse et des crises de panique pendant 6 ans et qui ai une peur bleue de la mort, je tourne pourtant sans cesse autour de ces questions, que ce soit dans mes lectures, que ce soit dans les jeux vidéo, dans les films, dans les séries. Tous les objets culturels qui me parlent le plus, qui m'ont le plus marqué, très souvent, parle de ces thématiques-là, et parce qu'elle les aborde frontalement, parce que c'est une façon de nous aider à concevoir, à schématiser, à conceptualiser quelque chose d'improbable. Et ces deux dernières années, j'ai entamé un travail inconscient de me rapprocher davantage encore de ces œuvres qui me permettent, en me renseignant, en réfléchissant, de me rendre compte que je ne suis pas toute seule dans cette peur irrationnelle, et de savoir que d'autres êtres humains sont en proie aux mêmes doutes, aux mêmes terreurs, aux mêmes frayeurs, aux mêmes angoisses, et qu'ils et elles prennent le temps de réfléchir avec les lecteurs, avec les gens qui vont jouer à leurs jeux vidéo, qui vont regarder leurs films, ça m'apporte un enrichissement et un apaisement incroyable. Donc n'hésitez pas à écouter ce podcast. Et maintenant que ça s'est dit, on va retourner vers des rivages beaucoup plus joyeux, parce que ça fait une semaine que je ne vous ai pas pris. Et j'ai lu et j'ai regardé des trucs très cool aussi dont j'aimerais vous parler, donc enchaînons. Je suis en train de me demander si je passe aux lectures ou si je continue dans la veine recommandation culturelle. Et je pense que je vais opter pour cette dernière proposition, parce que si vous vous écoutez mon conseil, que vous vous lancez dans le témoignage de Clémentine, peut-être que vous aurez besoin d'un remontant, de quelque chose qui va vous permettre de faire soupape de décompression. Et pour cela, j'ai une recommandation qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui moi m'a enchantée, qui m'a embarquée sur une île paradisiaque, en plein été, avec beaucoup de chaleur, de douceur et
un temps presque suspendu, mais vous allez très vite voir si c'est votre cam ou pas, puisque je vous parle de La Réceptionniste Pokémon, qui est une mini-série de 4 épisodes qui a été réalisée entièrement en stop-motion et qui nous raconte l'histoire de Haru, une jeune femme au bout du roule qui a postulé et qui a décroché un job dans un hôtel Pokémon sur une île paradisiaque et qui entame son premier jour en tant que personne dédiée au bien-être des clients de l'hôtel, qui sont à la fois des humains, mais surtout des Pokémon. Alors là où je vous dis que cette série peut être très clivante, c'est que déjà elle est réalisée en stop motion, donc les matières, les textures, le style d'animation sont très particuliers. Si vous aimez Wallace et Gromit, a priori ça devrait vous plaire, en tout cas visuellement, parce que le studio est très fortiche. C'est fluide, c'est lumineux, c'est magnifique, sincèrement j'en ai pris plein les mirettes. Et deuxième chose qui ne sera pas nécessairement votre tasse de thé, c'est que ça reste très enfantin. On est sur un univers Pokémon, tranche de vie hyper contemplatif, sans aucun enjeu dramatique. Mais ça a été une bouffée d'air frais, ça a été une caresse, ça a été du miel, ça a été un doudou que j'ai serré avec beaucoup d'émotion pendant l'heure que ça a duré, parce que les épisodes durent une dizaine de minutes, il y en a 4. Donc avant même que je me rende compte que j'aimais autant, c'était déjà terminé. Pour autant, je sais que ça appellera un deuxième visionnage parce que je me suis régalée. C'était trop mignon, c'était trop chou. À tenter. Et parce que ça fait longtemps que je me suis pas autorisée ce genre d'incartade dans les vlogs, j'en profite aussi pour vous glisser deux recommandations de séries, même si j'en suis au tout début, donc ce sera peut-être à prendre avec des pincettes parce qu'on n'est jamais à l'abri que ça se casse la gueule au bout de certains épisodes, mais j'ai attaqué deux trucs qui sont très cool, hyper différents. On commence avec Julia, qui est une série biopic consacrée à Julia Child, qui est une cuisinière très connue américaine des années 60, et ça donne faim, mon dieu, c'est très 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 bien tourné. On est quand même sur une tonalité très douce, amère. Il y a la gourmandise de la cuisine, il y a ce côté destin de femme qui veut s'émanciper en suscitant, en créant, en provoquant sa chance, parce qu'elle n'est ni jeune ni belle, mais qu'elle a conscience de sa valeur, de son talent et de ce qu'elle pourrait apporter aux autres si on lui en laissait l'occasion. Donc Julia Child est une femme qui a co-écrit un livre de recettes qui a démocratisé la cuisine française aux États-Unis, et tandis qu'elle est empêtrée dans la rédaction du second, qui dure depuis des années parce que elle et sa co-autrice ne sont pas d'accord, elle va essayer de s'imposer dans le monde de la télévision qui commence tout juste à frémir, à s'infiltrer dans les foyers américains. Et ce qui me plaît tout particulièrement, c'est la force de caractère de cette femme qui a décidé qu'elle aurait plus que ce qu'on lui offre. Et en ça, ça me rappelle un petit peu la dynamique qui m'a tant séduite dans le roman de Bonnie Garmus, qui est La brillante destinée d'Elisabeth Zott. Je vous en ai parlé en long, en large et en travers, mais j'essaierai de vous retrouver au moins une vidéo dans laquelle je vous en parle si vous êtes passé à côté. Parce que c'est une femme qui va utiliser la cuisine à tout éminemment féminin, maternel, et qui aurait plutôt tendance à enfermer au sein de la sphère familiale domestique, et qui va servir là d'outil d'émancipation, qui sera un pied de biche pour s'extraire justement de cette condition très étouffante et qui peut complètement rendre claustro. Donc hyper, hyper, hyper chouette, très bien filmé, visuellement c'est somptueux. Donc si vous aimez les séries un peu rétro, vintage, avec des destins de femmes et la cuisine, je pense que vous tenez un truc. Et sinon, hier soir, j'ai commencé une nouvelle série qui est dispo sur Apple TV qui s'appelle Shrinking, avec Jason Segel et Harrison Ford. Le premier incarne le personnage de Jimmy, qui est thérapeute au bout du rôle. Il a perdu sa femme il y a un an, il n'arrive même plus à regarder sa fille ado dans les yeux et à s'en occuper depuis le décès de son épouse, parce qu'elle lui rappelle trop celle qu'il aime et qui n'est plus là. Donc les rapports entre eux sont distendus, ce qui le fait énormément souffrir. Mais comme en plus il est thérapeute et qu'il doit absorber et accompagner la détresse et les errances de ses propres patients, il y a un moment où tout ça va s'agglomérer, faire effet boule de neige et exploser. Il va péter un plomb pendant une consultation où il va conseiller à une patiente qu'il voit depuis des années de quitter son mari qui est toxique, qui est pervers, alors qu'il n'a aucun droit de le faire parce que c'est outrepasser la frontière entre patient et soignant. Et en même temps, il ne va pas du tout s'arrêter là parce que dynamiter ce mur entre lui et ses patients, c'est précisément ce qui va lui donner un nouvel élan, parce qu'il se sent enfin utile, il a l'impression de faire une différence, que ses journées comptent, qu'il est pas là par hasard à traîner sa pauvre carcasse en attendant on sait pas vraiment quoi. Et c'est assez cool, j'ai regardé qu'un épisode et demi avant de tomber dans les bras de Morphée, donc ce soir normalement j'y retourne, ça me permettra potentiellement de nuancer mon avis, mais les prémices sont prometteurs. J'ai vraiment une tête de rat parce que entre mes yeux tout rouges et les compides qui me tirent la peau pour bien me rappeler qu'ils sont là, je me sens aussi belle et désirable qu'un tacos qui aurait été oublié dans le fond d'un tiroir pendant à peu près 6 mois. Ça vous donne une idée. Ça ne va pour autant pas m'empêcher de parler lecture parce que on a pas mal de petites choses à voir ensemble, et notamment un gros dossier.
Je sais que vous attendez mon avis parce que j'ai partagé ma lecture en cours sur Instagram, j'ai reçu une tonne, une pluie, une dégringolade de questions pour savoir si le livre était bien, s'il méritait tout le tapage qu'il a provoqué. Donc on va peut-être commencer par celui-là, parce qu'il explique aussi pourquoi j'ai complètement foiré mon objectif de lire un livre par jour pour faire diminuer ma pile à lire. Et le coupable, c'est Fourth Wing de Rebecca Yarros, publié aux éditions Hugo Roman dans leur collection Romantaisie. Bah oui, comme au moins 80% des personnes qui traînent sur les réseaux sociaux littéraires, j'ai fait mon mouton, je me suis précipitée en librairie le jour de la sortie pour acheter en plus l'édition reliée collector à 30 balles avec le jaspage, la jaquette, les pages de garde illustrées avec du fer à chaud dessus. Bref, ils ont mis les moyens pour satisfaire les lecteurs et les lectrices qui attendaient de pied ferme cette Romantaisie qui a toute exploser tous les records aux États-Unis. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, ou alors que vous ne vous êtes pas penché sur le résumé, en quelques mots, on va suivre Violette Sorengale, qui est une jeune femme assez petite, plutôt menue, chétive, qui a des articulations en carton et une condition physique assez déplorable, mais c'est pas grave, parce que elle se destine à devenir scribe. Elle se voit historienne, archiviste, à prendre soin des manuscrits et de la mémoire de son royaume. Sauf que sa mère, qui est générale de guerre et un peu la pape de l'académie militaire, va décréter, décider, exiger que sa fille cadette essaye d'intégrer les rangs de Basquiat, qui est l'académie militaire qui forme les futurs dragonniers du royaume. Sauf que là-bas, c'est vraiment marche ou crève, je crois qu'il y a 15% des effectifs qui arrivent à obtenir leur diplôme. C'est vous dire comme les chances sont minces. Et Violette n'a rien en commun avec sa mère, qui est donc générale de guerre, ni avec son frère aîné qui est décédé, mais qui avant ça était un dragonnier, guérisseur, renommé, reconnu et respecté. Et idem pour sa grande sœur Mira, qui est toujours une dragonnière en activité, déployée sur le front, qui collectionne les faits d'armes et les distinctions malgré ses 3 ans d'ancienneté uniquement. Et en dépit de toutes les alarmes qui clignotent dans tous les sens, Violette ne va pas pouvoir se soustraire à la volonté de sa mère. Et elle va être balancée dans cette académie qui va la pousser dans ses retranchements physiques et psychologiques les plus extrêmes. Et vous pouvez pimenter ce récit initiatique avec une romance ennemies to lovers à ne pas piquer des hannetons, et le tout avec des dragons et des complots. Bon, et maintenant que je vous ai dressé, brossé le portrait de ce livre en quelques mots, en quelques notions clés, qu'est-ce que j'en ai pensé? Quel est mon ressenti global? Déjà, je pense qu'on peut commencer par dire que le roman compte 600 pages et que je l'ai lu en 2 jours et demi. Ce qui donne une indication plutôt claire quant à mon rythme de lecture et à la frénésie qui a suscité le roman de Rebecca Yarros chez moi. Évidemment que je l'ai trouvé prenant, addictif et visuel, et ça ne m'étonne pas que Amazon Prime envisage de l'adapter en série, parce qu'il coche toutes les cases. C'est du bon divertissement, c'est bien dosé, les enjeux sont toujours en permanence hyper élevés, et Rebecca Yarros a su condenser tout ce qui fonctionne, tous les ingrédients qui créent les best-sellers. Et c'est à la fois ce qui fait la force, mais aussi la faiblesse de ce livre à mes yeux, parce qu'on sent que c'est un best-seller qui a été créé, façonné, imaginé et conçu précisément pour faire vendre des milliers d'exemplaires et pour capturer son public dans une frénésie de lecture incontrôlable. Déjà, pour commencer, vous avez le socle, le contexte de l'école, de l'académie, de l'université, qui permet à chacune et à chacun de projeter ses propres expériences, ses propres ambitions, son propre ego et sa propre volonté de réussir, de se démarquer, de se créer un avenir. On a toutes et tous connu ça plus ou moins dans notre parcours. Et je pense que ce qui fonctionne aussi bien dans tous les récits young adult qui se passe dans un cursus scolaire, c'est qu'on est tout de suite investi parce qu'on connaît les codes, on connaît les mécanismes, on a été des acteurs pris dans ce carcan, dans ce cadre, dans ce contexte, et c'est un marqueur identitaire très fort. Alors qu'en plus, vous le couplez avec des enjeux impossible à tenir, la mort au tournant, les élèves qui décèdent à tour de bras, les trahisons, les coups bas, les alliances intestines et les luttes sanglantes, ça ne fait que pousser les jauges au maximum, au niveau le plus élevé, ce qui nous précipite d'autant plus dans cette frénésie de lecture, donc c'est malin. Et en plus, vous rajoutez une romance enemies to lovers bien dosée, qui génère ce qu'il faut de frustration, mais qui offre quand même suffisamment de matière à se mettre sous la dent. Si vous voyez ce que je veux dire, ça ne peut que fonctionner. Pour moi, c'est un mélange entre Hunger Games, parce que la vie des personnages est toujours sur le fil du rasoir, Éducation meurtrière de Naomi Novik, pour le côté aussi académie où on risque sa peau à tout moment, et le tout matiné par une romance
qui n'est pas sans rappeler celle de Un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas. Par exemple, vous voyez très bien la ligne édito dont je parle, les livres qui en ont découlé, les ambiances, le type d'univers, les constructions, et l'engouement et l'investissement émotionnel que ça suscite chez les lecteurs et les lectrices. C'est tout à fait ça. Donc vous mélangez tous ces éléments et vous avez Force Wing. Donc c'est très bien fait. J'ai été investie, je ressentais la tension, je me suis beaucoup attachée à Violette qui compense ses difficultés physiques par son intellect, mais aussi par une motivation et une volonté de faire qui sont très appréciables et qui ne sont pas sans rappeler des personnages féminins très forts qu'on aime suivre comme Katniss Everdeen, mais avec une dimension plus humaine à laquelle il est plus aisé de s'identifier. Donc en cela, je trouve que Rebecca Yarros a bien réussi son héroïne. Par contre, il y a beaucoup de choses aussi qui m'ont déplu. J'ai trouvé les personnages secondaires très fades, on sait assez peu de choses sur eux. Ce sont juste des coquilles, des faire-valoir, parce qu'il faut bien qu'il y ait de la matière autour de Violette et de son intérêt amoureux, mais ils ne sont pas aboutis, ils ne sont pas creusés. Rhiannon, qui est sa meilleure amie, on sait finalement très peu de choses sur elle. Je ne parle même pas des autres membres de l'escouade qui pourtant apparaissent très régulièrement, mais ils n'ont aucun passé, aucun bagage narratif. Ce sont des fétus de paille, ce sont des noms qu'on a même du mal à visualiser, à ne pas mélanger, auxquels on ne s'attache pas le moins du monde. Et c'est un reproche que je peux aussi imputer à des personnages qui ont pourtant était plus réfléchi, un peu plus construit et abouti, comme par exemple Dane, qui est l'ami d'enfance de Violette, mais aussi Liam, sauf que les deux, pour moi, sont des ressorts scénaristiques sur pattes. Ils ont chacun un rôle qui rend indispensable leur présence, l'un pour marquer l'évolution de Violette et créer de la tension dans le schéma amoureux, et l'autre comme faire valoir du personnage masculin principal. L'autre point noir qui m'a un peu perturbée pendant ma lecture, c'est que c'est un univers de fantasy qu'on touche à peine du doigt. On sait que c'est un royaume, mais on a très peu d'éléments historiques auxquels se raccrocher. Je trouve que le cadre politique est trop survolé, trop flou, pas assez boulonné. Pour moi, c'est une plante verte sans tuteur. Il y a quelques feuilles qui partent par-ci, par-là, mais ça ne donne pas une construction d'apparence solide. Donc ça reste très épique, cinématographique. Je veux dire, il y a des trahisons, il y a des morts terribles, il y a des dragons, il y a des combats, il y a plein de choses qui sont hyper cool, mais il n'est pas parfait. Il a les défauts d'un objet marketing très réussi, mais qui ne reste, entre guillemets, que ça, écrit pour divertir selon des codes commerciaux qui ont fait leur preuve. Mais par contre, soyons clairs, en termes d'expérience de lecture, je me suis régalée sur 570 pages sur 600. Les 30 dernières m'ont gênée parce que c'est une prise en charge de la narration d'un point de vue que je ne souhaitais pas spécialement avoir et qui enlève, je trouve, une forme de tension au récit, et que les revirements de situation et le gros climax de la toute fin, je l'avais vu venir à des millions de kilomètres à la ronde, et que pour moi c'est un petit goût du basculement typique des récits dystopiques adolescents qu'on a pu lire il y a une dizaine d'années. Voilà, j'essaie d'être la plus précise possible dans mon avis pour argumenter au maximum, vous donner vraiment matière à réfléchir et à savoir si vous voulez vous lancer ou pas dans l'aventure, mais c'est difficile de faire davantage sans trop en dire, sans dévoiler de l'intrigue, donc je vais m'arrêter là. Je me suis régalée et bien sûr que je me jetterai sur le tome 2 quand il sera dispo. J'ai l'impression d'avoir passé 45 minutes sur ce bouquin. Tout va bien. Autre très bonne lecture qui remonte à la semaine dernière, celle-ci, c'est Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes, que j'ai écouté en version audio pendant ma session running jeudi soir, dont je suis d'ailleurs assez satisfaite parce que on a couru 45 minutes et j'ai fait 8 bornes, ce qui est, je trouve, pas trop mauvais pour une personne qui reprend le cardio, le sport de façon générale, et ça m'a fait un bien. J'ai enfin ressenti la bouffée d'endorphine post-course. Quand je suis rentrée dans ma voiture rouge comme une tomate pour aller chercher Mia chez ses grands-parents, j'étais bien, j'ai eu une bouffée euphorique, j'écoutais ma musique, c'était merveilleux. Et je comprends que les gens deviennent accros et qu'ils finissent par aller courir tous les jours. Clairement, ce sera pas mon cas parce que j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la motive, mais au moins une fois par semaine, c'est sûr. Quand je pense aux bienfaits que m'apportent ces séances hebdomadaires, c'est juste incroyable. Je mange mieux, je dors mieux, je bois davantage, je cuisine plus et j'ai envie de faire plus de sport. Donc j'ai recommencé le renforcement musculaire, le gainage. J'ai plus d'énergie, j'ai plus de peps, je suis moins en colère, je suis moins fatiguée. Vraiment, le package est surprenant. Mais je divague complètement puisqu'à la base, je vous parlais de Des fleurs pour Algernon, qui est une nouvelle de science-fiction qui met en scène le personnage de Charlie Gordon, un homme de 37 ans, qui est qualifié de simple d'esprit parce qu'il accuse un retard mental assez élevé, mais pour autant, il est motivé et il a envie de s'investir et il a envie d'obtenir mieux pour lui-même et
de tirer davantage de la vie. Donc il s'est inscrit à des cours du soir de lecture et d'écriture et sa professeure le recommande pour une expérience menée par deux scientifiques qui travaillent sur l'augmentation de l'intelligence par un acte chirurgical qui a fait ses preuves sur plusieurs animaux et notamment une souris qui s'appelle Algernon. Cette nouvelle est construite sous la forme d'accumulation de comptes rendus rédigés par Charlie Gordon lui-même avant mais aussi après son opération. Il va nous parler de son quotidien, de ses amis, de son travail à l'usine, dans un style et une syntaxe très enfantin, assez pauvre, naïf, et qui progressivement va s'affiner, va gagner en épaisseur, en subtilité et en nuances pour atteindre des sommets qui clairement dépassent le commun des mortels. Et c'était très émouvant. Beaucoup trop court, c'est ce qui m'a frustrée. En même temps, c'est une nouvelle, donc je pouvais pas en attendre beaucoup plus. Mais mon attachement et mon émotion envers Charlie, envers sa vision du monde, son bon cœur, sa naïveté et cet œil qui va s'aiguiser petit à petit et le drame qui va se nouer parce qu'il ne sait pas s'il va pouvoir conserver toutes ses facultés intellectuelles qu'il est en train d'acquérir parce que jusqu'à présent les expériences menées tendent à démontrer que les effets sont réversibles. Et il a donc cet accès à la connaissance et à la conscience de lui-même et de ce qui l'entoure de plus en plus étoffé et fourni et progressivement cette épée de Damoclès qui va se rapprocher de son crâne de façon proportionnée parce que plus il va pouvoir prendre de la place dans le monde et apporter sa contribution et comprendre les choses, moins il sera prêt à accepter l'idée que tout ça peut lui être arraché du jour au lendemain. C'était bouleversant, déchirant et très bien écrit et j'aurais voulu suivre ce personnage sur au moins 300 pages pour prendre vraiment le temps d'analyser chaque étape de son parcours. Mais je me suis régalée. C'est un classique du genre qui mérite son statut. Je mentionne au passage que vous pouvez foncer les yeux fermés sur Petit Bonheur, l'album que je vous présentais au début de ce vlog, parce que Mia et moi, on l'a lu, et que, en tant qu'adulte, j'ai énormément aimé cette histoire de Petit Bonheur, qui est le personnage que vous apercevez juste ici, qui descend sur Terre pour apporter du bonheur, de la joie et de la chance aux humains sur Terre, mais lui, contrairement à ses petits camarades, n'a pas reçu ses pouvoirs magiques, donc il arrive là pensant ne pas pouvoir faire de différence et il va croiser la route de Petit Renard et de son papa qui tiennent un restaurant de ramen où personne ne vient. Et la rencontre de ces deux personnages va faire qu'ils vont mutuellement se sauver, se soutenir et se tirer vers le haut. C'était trop mignon. Et même Mia a embrassé tous les personnages. Je vous jure, elle faisait des bisous sur le livre à chaque page. Donc rien que pour ça, je vais lui trouver une place de choix dans sa bibliothèque. Et autre lecture impactante, quoiqu'un poil trop courte, cette fois on change totalement de domaine puisque je vais vous parler de développement personnel. Je crois qu'on peut le classer là-dedans. C'est Trouve le verbe de ta vie qui est écrit par Sarah Roubatos et publié aux éditions Michel Lafon. Et l'ensemble du projet part d'une lettre rédigée par l'autrice pour réfléchir sur l'orientation, le choix des métiers, quelles questions prendre en compte et se poser quand on réfléchit au sens qu'on veut donner à sa vie. Vous ne le savez peut-être pas, mais je me suis beaucoup cherchée, je me suis autorisée à expérimenter plein de choses. J'ai fait 5 premières années différentes dans le tourisme, le commerce, les lettres. J'ai été conseillère en assurance, j'ai été assistante de direction, gérante d'un commerce, assistante éditoriale. J'ai eu beaucoup de casquettes dans des domaines très différents, très variés. Et souvent, j'ai été confrontée à des recruteurs, à des personnes en face de moi qui, en voyant mon CV, étaient désarçonnées, prenaient peur, parce qu'il et elle étaient dans la même boîte ou dans le même secteur d'activité depuis 30 ans. Et ce sont des thématiques qui sont abordées, qui sont questionnées dans le livre de Sarah Roubatos. Mais pas seulement, elle nous invite à faire la distinction entre vocation et travail, entre nos aspirations et ce qu'on veut apporter dans le monde. Et à mon sens, c'est des questions qu'on devrait toutes et tous se poser à un moment ou à un autre de notre vie, que ce soit quand on doit choisir nos études, notre premier boulot, quand on veut éventuellement se réorienter, quand on sent qu'on y arrive au bout d'un chemin, quand on a fait le tour, j'en sais rien, ça fait 10 ans que vous êtes dans la même entreprise, vous sentez que vous avez fait le tour et que vous restez peut-être par confort, par habitude, par peur d'autre chose, c'est un livre qu'il faut mettre entre toutes les mains. Ça prend, je pense, une heure et demie de le feuilleter de A à Z, et ça fait beaucoup de bien, c'est très inspirant et déculpabilisant, et je vous invite sincèrement, chaleureusement et vivement à vous pencher sur son cas, parce que peut-être que vous avez des ados dans votre entourage qui savent pas trop ce qu'ils ont envie de faire de leur dix doigts, parce qu'il y a tellement de choix, il y a tellement de possibilités, et en même temps, il suffit d'allumer la télé pour avoir l'impression que le futur n'existera jamais. Entre l'éco-anxiété, la guerre et j'en passe, c'est compliqué de se projeter à tout âge, qu'on ait 17 ans, qu'on en ait 50, qu'on ait envie de changer de boulot, mais qu'on ait l'impression d'être trop vieux et de rien avoir à offrir. Bah, lisez ça
et il y a moyen que vous changiez d'avis. Et parce que j'ai besoin d'inspiration et d'outils nouveaux dans ma vie en ce moment, et bien après avoir refermé celui-ci, je me suis enfin lancée dans celui-là, L'Art des listes de Dominique Leroux qui est publié aux éditions Marabout, parce que j'avais adoré L'Art de la simplicité de la même autrice il y a des années. C'est l'un des rares livres de développement personnel que j'ai conservé, que j'ai déjà relu et qui m'a vraiment aidé, que j'ai pu mettre en pratique, pas dans son intégralité bien évidemment, mais j'ai retiré des préceptes, des conseils que j'ai appliqués dans ma vie et qui m'ont été très utiles, qui ont été salvateurs. Et là j'ai lu seulement 30 pages de L'Art des listes et c'est pareil, ça m'apporte déjà énormément. Je sais pas si vous allez voir, mais j'annote, je réfléchis, je m'approprie et je sens déjà que ça va faire une différence dans ma vie de tous les jours. Et ça fait du bien aussi ce genre de bouquin. C'est pas que je blablate depuis des heures, mais un peu quand même. J'ai 2-3 trucs à ranger dans l'appartement avant de partir, parce que ce soir, c'est moi qui vais chercher Mia, on a des vaccins à faire chez le pédiatre. Donc je vais vous laisser, je vais reprendre mon livre audio en cours qui est Arpenter la nuit. C'est une lecture très difficile, mais je vous en reparlerai plus tard. Je vais ranger et je vous reprends, je pense, demain pour de nouvelles aventures. Vous pensez que Jean-Eudes et ses potes, ils seront toujours là? Il y a des chances. Alors à demain. Prenez soin de vous. Every Sunday, I used to watch cartoons, but now I'm here, waking up with you. I would get excited about my favorite show. Now you're the only thing I wanna watch, and all I wanna know. And take me to a movie, a matinee, walk out in the middle, laughing all the way. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. 'Cause you thrill me. Looking for someone, anyone, to call my name out loud. I'd get anxious, no one knows me, standing in the crowd. Now I've got your eyes to see mine, and your voice to calm me down. And take me to a movie, a matinee, walk out in the middle, laughing all the way. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. You thrill me, you chill me out. Got no reason to pretend I'm somewhere or someone else. You're around, she's on it. You heal me, you feel me. I'm exactly who I want to be when I'm with you. Et nous voilà rendus le vendredi 23 février, il est pas loin de midi et j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire, notamment rédiger une sélection thématique pour l'appli de lecture prose. Il faut encore que j'envoie un devis, que je finisse de monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Et à 15h, on a un rendez-vous très important que je ne peux pas manquer, donc ça fait pas mal de choses en perspective, mais je voulais quand même prendre le temps de vous récupérer pour une dernière séquence qui, je l'espère, sera plus concise que la précédente. Donc là, on va ramasser, condenser mon propos. Déjà pour dire que le challenge est un échec monumental, parce que moi qui pensais faire un tri drastique dans ma pile à lire, c'est clairement pas le cas et j'ai pas avancé comme je l'aurais souhaité. Mais malgré tout, ma technique de j'essaie un chapitre ou deux et je me fais une idée sur les livres a porté ses fruits, puisqu'il y en a quelques-uns qui vont quitter mes bibliothèques. Et il y en a aussi plein qui vont rester, ce qui fait que je me retrouve avec une tonne de lectures entamées et en cours. C'est indécent. En lecture qui reste, on a bien entendu le truculent L'Arche de Darwin de James Morrow, l'intrigant pauvre créature signé par Alan
Alastair Gray, l'onirique Le Grand Magasin des Rêves qui est écrit par Limiyi, sans oublier la briquette Axa Heaven dont je vous parlais au début de ce vlog, ainsi que le très prometteur Mon Désir le Plus Ardent de Pete Fromm. En revanche, s'en va sans aucun regret, Comment aimer sa fille de Hila Bloom qui est publiée aux éditions Robert Laffont, qui nous raconte l'histoire d'une femme qui s'est brouillée avec sa fille dont elle était pourtant très proche quand elle était enfant, à tel point qu'elle n'a jamais rencontré ses petites filles, qu'elle observe de l'autre bout de la rue par les grandes baies vitrées de leur appartement. Et je n'aime pas du tout ni le style, ni les réflexions qui traversent l'autrice, donc c'est au revoir. En revanche, je suis beaucoup plus triste de dire au revoir à Une soupe à la grenade qui est écrite par Marsha Mehran, publiée aux éditions Piquet, qui nous raconte l'histoire de ces trois sœurs iraniennes qui vont émigrer en Irlande et essayer d'ouvrir un café. Ça partait bien, c'est gourmand, il y a des recettes, mais j'ai un vrai problème avec le style. Je ne sais pas si ça vient de la traduction ou si la plume d'origine est empoulée et à la fois maladroite comme ça, mais j'ai été crispée alors que je n'avais qu'une envie, c'était d'aimer, et je ne saurais pas surmonter ce blocage parce que maintenant que je suis focalisée dessus, je n'entends plus que ça, je ne lis plus que ça. Donc je lui dis au revoir, c'est dommage parce que j'avais très envie d'aimer cette duologie, mais tant pis, il y a des rencontres qui ne se font pas. Pareil pour le prochain, mais là vous pouvez me lancer des cailloux pour plusieurs raisons, parce que j'abandonne Beloved de Toni Morrison, publié aux éditions Christian Bourgois. La plume est sublime, faut dire que l'autrice a reçu un prix Nobel de littérature, donc la dame sait ce qu'elle fait, mais en dépit des qualités littéraires incontestables du texte, je l'ai trouvé trop abscon. Et en plus, le pire, c'est que je le lisais en lecture commune avec l'une d'entre vous, et je l'ai malheureusement abandonné lâchement en chemin. Je me suis juste sauvée, j'ai lu 4 chapitres et j'ai abandonné. Je n'ai plus jamais rouvert le livre, je n'ai pas envie d'y retourner. Et pourtant, je faisais les choses bien, j'annotais, j'ai surligné quelques passages. J'avais même les notes de cours que l'une d'entre vous a eu la gentillesse de m'envoyer pour décortiquer l'œuvre, mais malheureusement, j'ai pas envie de me forcer, donc même si on est en plus assorti, Beloved quitte ma bibliothèque. Et décidément, ce ne sont que des autrices à qui je dis au revoir, c'est un concours de circonstances, c'est pas fait exprès, mais là, j'avoue que je suis particulièrement embêtée, mais il y a des rencontres qui ne sont pas faites pour aboutir. C'est le cas de Cécile Coulon et dans son dernier roman qui est La langue des choses cachées, qui est publié aux éditions de l'Iconoclaste. C'est le premier titre de l'autrice dans lequel je me plongeais, et j'ai adoré le prologue que j'ai relu plusieurs fois, je le trouve magnifique. Cécile Coulon sait écrire, je ne lui retire pas ça, les métaphores, les figures de style, l'écriture âpre et en même temps soignée, qui résonne, qui est mélodieuse, c'est son truc. Mais à mon sens, ça prend presque trop de place dans l'ensemble, noyant un peu la narration dans un ronronnement peu naturel qui n'a pas su m'emporter. Donc j'ai abandonné après 40 pages et pareil, il est resté dans un coin. On se regardait de temps à autre, mais j'ai pas eu envie d'y retourner au cours des derniers jours écoulés. Donc au revoir, La langue des choses cachées. Mais quand même, j'ai envie de lui rendre hommage et de vous lire un morceau du prologue pour que, si jamais vous ne connaissiez pas cette autrice, vous ne soyez pas tenté de vous arrêter à mon humble avis, parce qu'elle a quand même très bonne presse, elle est reconnue et renommée, et elle écrit très bien. Donc je vous lis un petit passage. Car c'est ainsi que les hommes naissent, vivent et disparaissent, en prenant avec les cieux de funestes engagements. Leurs mains caressent et déchirent, rendent la peau si douce qu'on y plonge facilement des lances et des épées. Rien ne les effraie, sinon leur propre mort. Leurs doigts sont plus courts que ceux des grands singes, leurs ongles moins tranchants que ceux des petits chiens. Pourtant ils avilissent bêtes et prairies, ils prennent les rivières, les arbres et les ruines du vieux monde. Ils prennent, oui, avec une avidité de nouveau-né, une violence de dieu malade. Ils posent les yeux sur un carré d'ombre, et par ce regard, l'ombre leur appartient et le soleil leur doit sa lumière et sa chaleur. Ils se nourrissent des légendes qui font la terre ronde et trouée, le ciel bleu et fauve. Ils construisent des villes géantes pour des vies minuscules, et la haine de cette petitesse les pousse à toutes les grandeurs. En amour, ils ne comprennent rien aux secousses du cœur et du sexe. Ils tentent de les apaiser, leurs forces sont fragiles, leur corps mal préparé aux tempêtes des sentiments. Ils ont trouvé un langage pour tout dire. Avec ce trésor, ils s'épuisent à convaincre qu'ils sont les chefs, les puissants, les vainqueurs. Qu'importe qu'ils violent des femmes, des enfants, des frères ou des inconnus, qu'importe qu'ils vident des océans et remplissent des charniers, tout est voué à finir dans un livre, un musée, une salle de classe. Tout sera transformé en statue, en compétition, en documentaire. Alors qu'importe qu'ils incendient des bibliothèques, des villages et des pays entiers, qu'ils martyrisent ceux qu'ils aiment, il faut pour vaincre tout brûler et regarder les flammes monter au-dessus des forêts, jusqu'à ce qu'elles forment sous l'orbe des nuages de grandes lettres illisibles. Qu'importe qu'ils passent sur cette terre plus vite qu'un arbre, une maison, une tortue ou un rivage, ils sont si beaux, avec leurs yeux pleins d'amour et leurs mains pleines de sang. Ils sont si beaux,
avec leur corps comme des brindilles. Ils se tiennent droits, ils imitent les falaises, ils se croient montagne ou sommet. Ils sont si beaux dans leur soif capable de tarir les sources les plus anciennes. Ils sont si beaux dans la timidité du premier baiser. Cela ne dure qu'une seconde, mais après ils ne seront plus jamais grands. Oui, c'est ainsi que les hommes naissent, vivent et disparaissent. Et ce n'est là qu'un morceau du prologue. En revanche, autre début qui m'a embarqué à tel point que c'est ma lecture en cours, il s'agit de ceci. J'ai enlevé la jaquette, mais vous le reconnaîtrez sans doute, puisqu'on l'a vu passer partout. C'est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Et c'est un vrai délice, ce qui n'était pas gagné de prime abord, parce que je fais partie des gens qui s'en tamponnent le coquillard avec une patte de mouche. Des fées, ça ne m'intéresse absolument pas, ce sont des créatures, ce sont des récits, des contes, des légendes qui n'ont jamais su capter mon intérêt ou piquer ma curiosité. Et même si c'est quand même le sujet principal des recherches d'Emily Wilde qu'on suit dans ce volume, ça ne gâche rien à ma lecture. C'est parfait pour l'hiver, on est propulsé en plein nord. Emily Wilde va consigner toutes ses expériences et ses rencontres avec le petit peuple, mais aussi les habitants locaux de l'endroit où elle est venue pour effectuer des recherches sur les grandes fées, sur les recluses, qui sont visiblement très dangereuses. Et je ne peux guère vous en dire plus parce que j'en suis à 72 pages. Mais c'est de la cozy fantasy. Il me semble qu'il y a une touche de romance et que son intérêt amoureux aime tricoter au coin du feu. Non, je t'ai plu, ça promet de très très chouettes moments de lecture. Donc voilà ce qui reste, voilà ce qui sort, et vous vous dites, malgré tout, il y a eu du mouvement, donc c'est plutôt positif, et vous n'aurez pas tort. Sauf que le mouvement inverse a également été observé dans mes bibliothèques, puisque j'ai reçu, acheté tout ça. Pff, je vais jamais m'en sortir, voilà, c'est vraiment un échec monumental, puisque j'ai reçu Toubab, le nouveau roman graphique de Nuria Tamarit, le tome 1 de Crook Haven, qui est le dernier coup de cœur éditorial de l'équipe Pocket Jeunesse. Sans oublier Les Hommes Virils, Lys de la Romance. Je déteste cette couverture française. Je suis désolée, Léa, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Mais je dois reconnaître que la version originale était très bien. Je trouve les silhouettes ombrées particulièrement kitsch, mais ça ne m'empêchera pas de le découvrir avec grand plaisir. Et hier, vous l'avez vu dans les plans, je suis passée chez Charlemagne et j'ai craqué pour 4 mangas. À commencer par The Blue Flowers and the Ceramic Forest, le tome 2 de L'Amour est dans le thé, le premier volume du Goût des fraises publié chez Kurokawa, et évidemment le Dracula réécrit et réimaginé par Sakamoto publié chez Kiyun. Donc oui, c'est indécent, c'est déquindant, mais je suis quand même ravie parce que ça promet d'excellents moments de lecture. Et ne vous inquiétez pas, si certains ont piqué votre curiosité, tout sera répertorié dans la description, mais je prévois aussi un book haul pour vous présenter tout ça bien en détail. Et je vous propose qu'on se quitte sur cette bonne note, donc merci beaucoup d'être arrivé jusqu'au bout. J'espère sincèrement que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à le liker, à laisser un commentaire et éventuellement à le partager sur vos réseaux sociaux. C'est toujours hyper agréable de discuter avec vous dans les commentaires, mais aussi de savoir si le contenu vous plaît. Donc j'ai très hâte d'échanger avec vous. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite. Ciao ciao! You can't hide my love inside.